Suis-je? Pourquoi est-ce tout noir ici? Est-ce peut-être un rêve ou un cauchemar? Ou je ne sais pas. Et où sont mes parents? Maman? Papa? Êtes-vous vraiment là? Mais que se passe-t-il ici? Je commence à paniquer. Et comment vais-je sortir de ce cauchemar? Je suis perdue. Moi, maman et papa, je rentre à la maison. Une lumière bleue, voyante, super brillante. Je n'ai jamais vu de lumière comme ça. Cette lumière, n'est-ce pas dangereux? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma tête, ça fait mal. Qu'est-ce qui va vraiment ici? Aidez-nous! Sauvez-nous! Sauvez-nous! Aidez-nous! Ce qui m'arrive, ça fait mal. Ça fait mal beaucoup. Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Où suis-je arrivé? Et comment suis-je arrivé là-bas? Que s'est-il passé? Je ne me souviens plus de quoi ce soit ce qui s'est passé. Quel cauchemar drôle et horrible ce que je viens de faire. J'étais tout dans le noir. Et j'ai vu une lumière bleue. Et je n'ai vu ni maman, ni papa. En plus, je n'avais pas de chapeau auparavant. Qu'est-ce que c'est? Pas de blanche? Non, ce n'est même pas de la fourrure. C'est un chiffon. Mais cela signifie que je suis... sont devenus des chiffons. Je peux difficilement sentir mes doigts. Mais ce qui m'arrive... quoi? Mes cheveux sont également transformés en chiffons? Non, c'est pas possible. Et tout mon corps entier? Non, non. C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Ça fait mal. Oh non, ça fait vraiment mal. Ce n'est pas un rêve. Mon corps s'est vraiment transformé en un chiffon. Je dois mettre ma chemise et le chapeau. Le chapeau que je n'avais pas plus tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais même pas où aller ou comment je suis arrivée ici. Comment vais-je faire?
Que vais-je faire? Il n'y a personne pour m'aider. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Un peu plus doux. Tu ne peux pas voir que j'essaie de dormir. Hein? Qui est là? Et qui est tombé dans ma grotte? Sortez de ma grotte tout de suite! Désolé, monsieur. Le sol a fait un trou et je suis tombée. Atomique. Mais tu es un enfant. Une poupée enfant. S'il vous plaît, ne me fais pas de mal. N'aie pas peur, tu ne vas pas voir. Les enfants, quand ils sont perdus, ils n'aiment pas crier à eux. Quel est votre nom, enfant? Je m'appelle Rémi. Et qui êtes-vous? Mon nom est Glajou. Je suis une créature qui vient de cette grotte. J'ai vécu dans cette grotte il y a des années. Et tu es seule? Où sont tes parents? Qui est-il, Rémi? Tu es timide? Non. C'est juste, je me suppose, qui est arrivé à moi. Et que je ne me souviens de rien qui me soit arrivé. Mon pauvre garçon, tu te souviens de quelque chose ou de quelque chose d'autre qui y arrive? La seule chose que je me souviens était que j'étais dans un endroit sombre et qu'il y avait une lumière bleue. Et quand j'ai touché la lumière, j'ai entendu des voix qui demandaient de l'aide. Et je suis devenue une poupée de chiffon. Devenir? Tu veux dire que tu n'es un vrai humain? Alors tu n'es pas un jouet. Viens avec moi. Les jouets ne savent pas qu'il y a un humain dans ce monde. Je dois te parler, petit. Hein? Où êtes-vous, nu? Dans un endroit secret. La vie qui pénètre dans cet endroit sombre ici ne peut plus voir leur environnement. Ah, pouvez-vous me déposer, s'il vous plaît, monsieur le jaune? Bon, si tu veux, mon petit. Intéressant. C'est la première fois que je vois un vrai humain ici. J'ai une question, je veux savoir. Que fais-tu ici dans le royaume des jouets? Hein? Le royaume de jouets? Oui, c'est un monde où il n'y a que des jouets. La réponse que vous voulez savoir est que je ne sais pas comment je suis arrivée là-bas et pourquoi je suis devenue une poupée. Tout ce que je veux vraiment, c'est rentrer à la maison et être un garçon à nouveau. Pouvez-vous m'aider? Non, je ne pourrais pas t'aider avec ton petit problème. Mais il y a un village qui pourrait te t'aider avec ton problème. Vraiment? Oui, le village que je peux te renvoyer est le village des poupées. C'est un village où il n'y a que des poupées, le chiffon et des jouets d'eau. La poupée et le jouet de molle sont la même chose. Je parle avec un œil jaune qui peut m'aider. Comment puis-je te emmener? C'est tout! J'ai la solution. Voilà! Cette porte te emmènera au village de poupées et de jouets d'eau. Et comment je le fais? Il suffit de passer à travers la porte pour aller au village. Ce n'est pas compliqué. Ok, monsieur le jaune. Et merci aussi. Tout le plaisir est pour vous. Et bonne chance, mon petit. C'est là qu'il m'a ramené. Je suis même pas dans le village. Je crois
que qui m'a eu. Je dois retrouver le village par moi-même. Mais non, le village est ici. Je ne suis pas très loin du village. Oh, Monsieur l'œil jaune m'a vraiment aidé. Je ne reste plus dans le village pour trouver quelqu'un qui peut m'aider. J'espère que les habitants sont gentils et joyeux. J'espère. Non, ça recommence. Ça fait mal. Ça fait mal partout. Oh, le petit est enfin réveillé. Je pense que vous vous sentez mieux pendant quelques heures depuis que vous êtes passé. Qu'est-il arrivé? Et où suis-je arrivé? Tu es à l'hôpital, mon garçon. Les deux jeunes t'ont trouvé évanoui non loin de notre village. Et ils t'ont ramené ici. Mais d'ailleurs, je pense, tu ne viens pas du coin de notre village. On ne te connaît pas. Et d'où viens-tu, mon petit? Eh bien, je viens dans le... Non, je ne dois pas leur dire que je viens dans le monde des humains. Et aussi que je suis un humain. Tu ne sais pas d'où tu viens? Non, je ne sais pas d'où je viens vraiment. Et j'ai fait un terrible cauchemar. Un cauchemar? C'était quoi dans ton cauchemar? Il y avait une poupée de chiffon avec des yeux blancs. Et je pense qu'elle s'appelait Anna... Ne dis jamais le nom de cette poupée maléfique. Elle est très, très dangereuse. Même ce qu'elle fait dans le monde des humains aussi. Pourquoi? À quel point cette poupée maléfique est dangereuse? Il y a 51 ans, une famille fêtait l'anniversaire de leur fille de 28 ans. Et qu'elle fait dans la dune d'une poupée Raggedy Ann. Mais cette poupée maléfique a fait le mal de cette famille. Ils appelaient des chasseurs de paranormal. Ils l'ont enfermée dans une cage en verre pour quiconque ne fait de mal à personne. Mais aujourd'hui, elle les voyait encore. Elle voyait quelque part dans le monde réel et aussi dans notre monde. Assez bien parlé. Nous vous avons donné des vêtements et des friandises gratuits. Et nous vous accueillons également au village si vous êtes nouveau ici. D'accord. Merci beaucoup. Qui sont les jeunes qui m'ont ramené à l'hôpital? Et aussi, qui est cette poupée maléfique? Salut gamin, je pense que tu viens d'arriver ici. Bienvenue dans notre village. Je te souhaite une bonne visite. Merci monsieur, c'est gentil. Oh, je parle avec les jouets. Les jouets parlants, c'est incroyable. Wow. Bienvenue dans la vie des poupées.